Zombie Apocalypse. Salut tout le monde, c'est Chirelle, on se retrouve donc sur le jeu Wanted Raccoon, un jeu très fun comme vous avez pu le voir dans le trailer. Vous savez que j'aime bien vous mettre les trailers, comme ça vous en voyez un petit peu plus sur le jeu quand c'est une découverte. Nous allons incarner ce mignon, ce petit voyou de raton laveur qu'on peut voir à l'écran qui fait du Rubik's Cube et qui le réussit plutôt pas mal, qui est très rebelle suite à l'enlèvement de ses amis et à la destruction de leur forêt par leur ennemi numéro 1, qui ne sont autres que les humains. C'est un jeu d'infiltration, RPG, on va avoir des quêtes à faire, mais c'est aussi un open world, donc vous aurez les quêtes à faire, mais vous pourrez aussi vous balader. Le but étant bien sûr de monter un gang de ratons laveurs et de nous venger de nos ennemis les humains. Le jeu est pour l'instant en accès anticipé et en cours de développement, donc comme les développeurs m'ont demandé, car ils ont eu la gentillesse de me donner la clé, je vais pouvoir vous le présenter jusqu'à un certain point, mais croyez-moi, il y a déjà beaucoup à faire au niveau du jeu, tout simplement parce que c'est un tout petit studio, je crois qu'ils sont que 2 ou 3, et le jeu est très prometteur. Moi je l'ai découvert au niveau des États-Unis, où il est un petit peu plus connu qu'en France, mais voilà, il m'avait déjà tapé dans l'œil. Et honnêtement, je me suis tapé des barres en le testant. Franchement, déjà, en regardant les Américains jouer, je me suis dit, mais il est trop top ce jeu, il est trop fun, ça change. C'est vraiment un nouveau concept très très sympa. Il a l'air comme ça très simple, mais il n'est pas si simple que ça, on va le voir en jeu. Il est dispo sur Steam et sur d'autres plateformes de clés légales depuis le 21 février 2001. Il est depuis peu en français, alors je précise, c'est un français Google Trad, c'est un petit studio. Donc embaucher un traducteur, etc., non, c'était pas dans leurs moyens. Donc ils ont fait comme ils ont pu, mais quand je les avais eu moi par mail et qu'on a échangé par mail, je leur ai demandé quand c'est que le français allait arriver, de façon à vous le présenter en français, parce que je leur ai expliqué que les jeux en anglais, tout le monde ne parle pas en anglais. Ils m'ont dit, c'est en cours. Une semaine après, le français était présent. Alors, je ne dis pas que c'est grâce à mon mail, mais enfin, c'était beaucoup demandé. Donc, il y a des mises à jour régulières. Il va y avoir des ajouts aussi, ne vous inquiétez pas. Donc, au niveau du français, il est bien en français. Bon, c'est pas toujours un français exact, hein, Google Trad, hein, vous connaissez, c'est pas toujours correct. Mais sincèrement, je vous le conseille, car vous allez vraiment vous marrez, d'autant plus que la coop, d'après ce qu'ils m'ont dit, est prévue d'ici maximum 1 an. Tout simplement parce que pour le moment, les développeurs se consacrent au développement, aux fixations de bugs et autres. Donc, ils préfèrent d'abord avoir un jeu solo qui est propre, net et bien fait, plutôt que de se lancer dans 50 trucs et de faire que le jeu, on rencontre trop de bugs, etc. Donc, il va falloir être un petit peu patient pour la coop, mais aussi au niveau du jeu même là, en l'état actuel, vous le voyez en gauche, en haut, à droite, pardon. Merci du support pour ce début d'Early Access. Nous sommes en train de faire des patchs, des mises à jour sont faites tous les mois et nous espérons que vous comprendrez, c'est-à-dire que peut-être que dans le jeu on va rencontrer des bugs. Si le cas échéant j'ai un bug, parce que ça m'est arrivé quand j'ai testé le jeu,
Ça peut être un bug de texture, un bug de collision, un bug où je me bloque. Donc à ce moment-là, je ferai une coupure, je ferai un montage, je redémarrerai le jeu et je reprendrai la vidéo à ce moment-là. Donc ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est un jeu qui est très prometteur. Il y aura aussi un système à venir de craft, comme vous avez pu le voir dans le trailer. Pour l'instant, le craft n'est pas disponible dans le jeu. Un système aussi de level pour notre raton laveur. Il aura aussi des compétences, il y aura de l'artisanat, il y aura énormément de choses qui vont être ajoutées. Donc laissez le temps aux développeurs qui sont tout petits, je crois que c'est leur premier jeu, et faire les choses. Ils sont déjà très pro, très, super sympa. Vraiment très super sympa et ça fait plaisir. Donc ben écoutez, on va arrêter le blabla et on va aller directement en jeu pour découvrir cette petite pépite. Alors oui, certainement des bugs, mais en tout cas très prometteur, donc je vous le conseille. Donc ici vous pouvez voir que dans les réglages, donc vous pouvez niveau mettre la langue en français. Il y a plusieurs langues, hein, donc voilà. Ensuite, au niveau des graphismes, il n'est pas jouable en fenêtré. Donc, vous avez ici pourtant, vous voyez, différentes configurations possibles, mais il n'y a pas de mode fenêtré. Ensuite, vous avez l'audio qui est réglable. Voilà, donc il y a une petite musique. Je ne sais pas si vous l'entendez, je vais peut-être la monter un petit peu. Voilà, elle est très mignonnette et vous allez voir dans le jeu, il y a différentes musiques, hein, quand vous êtes pourchassé, quand, voilà, quand vous ratez votre infiltration, il y a différentes musiques, c'est super cool et super marrant. Au niveau des contrôles, vous pouvez rebindre vos touches, d'accord. Bon, il y a certaines choses ici, donc oui, on va avoir un skateboard comme vous avez vu dans le trailer. Par exemple, le mode de build avec la touche B, pour l'instant le build n'est pas encore disponible. Faut leur laisser le temps de développer le jeu, mais déjà c'est du bon boulot. Ensuite, vous avez l'annulation, bon, les réglages en tout cas. Il est en français, vous pouvez rebindre vos touches, ce qui est déjà pas mal. Donc, on va aller directement en jeu. Alors, ici, vous voyez qu'on est dans un avis de recherche incroyable. On a notre tête hein, en gros plan, et vous allez voir que dans le jeu, alors, c'est pas comme ça a été dit, ce n'est pas des policiers. Que l'on va voir dans le jeu, ce sont plutôt les gens de la fourrière. L'histoire, c'est que tout simplement, on vit tranquille dans notre forêt avec nos potes, les autres ratons laveurs et d'autres animaux de la forêt. Et les humains vont arriver pour couper tous les arbres de la forêt, déforester l'endroit, de façon à y construire une ville. Et les humains ont effectivement une tenue de policiers, mais c'est en fait la fourrière, donc ils vont capturer tous les animaux qui vont être présents. Et tout simplement, tout va partir de là. Et notre raton laveur, avec différents compères, ne vont pas se laisser faire. Donc pour le moment, je charge. Là, le temps de téléchargement, je le trouve un petit peu long. Donc on se retrouve dès que le jeu a chargé. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc dans le jeu. Donc vous voyez, il est assez fluide. Hein. Pour l'instant, il n'est pas jouable à la manette. J'ai posé la question, j'attends la réponse de savoir s'il va être disponible à la manette. Je pense que oui. Donc en haut à gauche, vous voyez qu'on a les tâches et les objectifs qui sont à faire. Donc on peut rebindre nos touches, etc. Et vous, en, ah, tout à fait en bas, à gauche, vous pouvez voir notre jauge de, je dirais, stamina. Voilà, stamina, vie, ça fait un petit peu tout. En haut à droite, vous pouvez voir qu'il y aura un système d'argent parce qu'on pourra faire du commerce après. Pour l'instant, c'est toujours pas implanté. Il y aura un système de commerce. Et en bas, vous avez ce qui est notre menu, les petites clés de raccourci du jeu. Mais vous allez, on va le voir ensemble. Donc, premier pas, on doit se réveiller. Donc, pour se réveiller, il faut appuyer sur la, maintenir la touche espace ouverte, appuyer dessus. Et puis, on va commencer. Tout à fait en haut, vous voyez, il y a une boussole. Avec un œil, cet œil c'est quoi? C'est quand on va avoir les humains. Quand l'œil sera comme ça, c'est qu'on n'est pas en fufu, qu'on est plutôt repéré par nos amis les humains et qu'on a intérêt à faire gaffe parce que si on se fait capturer, on repart à la save précédente automatiquement avant de se faire prendre. Donc c'est assez fun, vous allez voir, mais on va avancer. Donc ici on nous dit rotation de la caméra, déplacer la souris pour la tourner. Voilà, c'est le petit tuto de départ. Se tenir debout, donc c'est avancer, reculer, droite, gauche, voilà.
Donc la boussole en haut nous indique où se trouve la cible actuelle. Donc vous voyez, on a un petit ici un petit rond avec un point d'exclamation. Donc on doit aller parler au vieux raton laveur qui n'est autre qu'à 8 mètres. Donc on va y aller. Pour l'instant, on ne peut pas courir. Pourquoi? Parce que notre jauge en bas de stamina est à 0. Mais on va vite comprendre comment remonter notre jauge de stamina. Donc on va aller parler à notre ami le vieux Joe. Alors, il n'y a pas de voix pour l'instant, donc je ne sais pas, par contre, je n'ai pas demandé si plus tard il comptait en mettre. Mais bon, pour l'instant, déjà, vous pouvez voir au niveau graphique, c'est vraiment bien. Enfin, moi, je le trouve sympa. Et vous allez voir, c'est très fun, même les dialogues sont amusants et les actions, je vous en parle même pas. Donc, le vieux Joe, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il est temps pour toi de devenir mon successeur. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de Google Trad, voilà, il va y avoir quelques erreurs d'orthographe ou de mots. Donc, c'est quand même compréhensible. Faut pas non plus voilà, leur en vouloir. Je le rappelle, c'est un petit studio. Et déjà, c'est pas mal pour un premier jeu avec deux ou trois personnes. Et en plus, super sympa et très pro. Prends mon sac et découvre si l'écureuil a besoin d'aide. Alors ne croyez pas comme ça que c'est un jeu cucu gnangnang parce qu'il n'est pas si évident que ça. Vous allez le voir parce que c'est parfois la misère, je l'ai galéré. Même si je l'ai testé plusieurs fois, je peux vous garantir que par moment c'est la galère. Donc prends mon sac à dos et découvre si l'écureuil a besoin d'aide. Donc ici on peut voir en surbrillance que nous avons notre petit sac à dos qui est là. Voilà. Et si on reste, par exemple, sans bouger pendant quelques secondes, ben, notre petit raton laveur, et ça c'est une animation que je trouve plutôt sympa, il s'assoit sur ses deux pattes arrière tranquillou et il joue au Rubik's Cube. C'est assez sympatoche. Donc on va aller là-bas, je ne peux toujours pas courir parce que ma stamina est en bas. Donc on doit aller parler à l'écureuil. Alors pour l'instant, pas d'humain à l'horizon, on vit tranquille avec nos potes dans la forêt. Et pour l'instant, tout va bien dans le meilleur du monde. Ici, donc on va parler à l'écureuil. Oh bonjour, c'est toi qui es en charge aujourd'hui, je suppose de la nourriture. J'ai une quête pour toi, mais tout d'abord prends le champignon de la souche et mange-le. Donc pour ça, il faut appuyer sur E et le maintenir. Voilà, objectif accompli. Et donc on peut, voyez ici, en bas à droite, avec la molette de la souris, choisir, parce qu'on va avoir plusieurs items qui vont se mettre. Donc, vous mettez dans le grand rond, en fait, ce que vous voulez utiliser. Donc, on nous demande de manger la nourriture. Donc, on va manger notre... Et pour ça, il suffit de maintenir le clic gauche de la souris. Voilà. Très bien. Maintenant que tu es plein, aide-moi à préparer de la nourriture pour nos copains. Alors, vous voyez, ma barre en bas, maintenant, est pleine. Elle est en verte complet. Donc, maintenant, je vais pouvoir courir. Alors, on nous demande d'aller cueillir... des champignons. Donc vous voyez maintenant, il a les fesses un petit peu moins lourdes, il est un petit peu plus rapide. Donc on nous demande de récupérer 5 champignons. Bon, je vais en prendre un tout petit peu plus, sait-on jamais. Hop, 3. Et la musique, elle est très fun, je trouve. Elle est très marrante. Elle est bien calquée au jeu, en fait. Alors. Vous voyez, j'ai la quête, mais je peux très bien... Vous voyez, là, je m'éloigne du point. Hein, c'est pas pour autant qu'il y a un problème, quoi. Donc, on peut... C'est vraiment un open world. On va pouvoir aller faire nos quêtes quand on a envie. On se balade, on regarde. Parce qu'on va avoir besoin de nourriture. Parce que notre jauge, plus on va courir, plus elle va se vider. Donc, si on a plus de stamina, on a plus de chances de se faire attraper. Donc, autant... voilà, autant faire les choses correctement. Alors voilà notre pote la top. Elle a une bouille. Je trouve que les animaux sont assez bien réussis. Vous me direz ça en retour. Alors Harvey, elle s'appelle. Salut, c'est toi qui aides à ramasser de la nourriture aujourd'hui? Tu peux abattre les pommes avec des pierres. Ok, donc il va falloir qu'on aille ici récupérer de la pierre. Donc toujours on ramasse avec eux. On va ramasser jusqu'à qui est marqué vide. Et... Donc, on nous dit que, tout simplement, avec le bouton droit, on vise, et avec le bouton gauche, on tire. Donc, on va essayer de faire tomber 3 pommes. Alors, ici, par contre, c'est une misère, je le dis. Y a des fois, on y arrive au premier coup. Il y a des fois, pas du tout. Et là, je pense que je vais galérer un petit peu.
faut vraiment se mettre à la bonne distance et croiser les doigts pour que la petite flèche se mette là où on veut. Je suis encore trop près, je pense. J'ai l'herbe qui me gêne. Hop. Ah, c'est une question de patience. Hein. Je pense que ça sera réglé. Faut que je me mette en face. Ce sera réglé assez rapidement par les devs. Trop près. En face. Alors, j'ai pas arrivé à mettre les trois pommes. Allez, chope-moi les trois pommes. Hop. Ah, là j'en ai une. Voilà, et avec le clic gauche, hop, on lance notre pierre. Il nous en faut trois. La bouille qu'il a, quoi. Et le bébé raton laveur à côté. On a la troisième pomme. Hop, je vais récupérer mes pierres. Vous voyez, plus je cours, plus ma barbette verte, elle diminue. Donc, on doit rapporter la nourriture à l'écureuil. Hop, il est donc là. Merci d'avoir aidé à ramasser la nourriture. Le pigeon devait déjà revenir après le survol. Demande-lui si tout va bien dans la forêt. Ok, donc on voit qu'à 19 mètres, demander au pigeon sur la situation de la forêt. Alors, on va aller là. Avec la touche espace, on peut sauter. Hop là. Hop là. Moi, j'aime bien quand il saute. Je trouve qu'il est quand même très, très bien fait. Les textures sont assez jolies. Moi, je le trouve très, très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. On va parler au pigeon. Qui s'appelle Pigeon. C'est bien que tu sois venu. J'ai des nouvelles inquiétantes. Il se passe quelque chose d'étrange au bord de la forêt. Il faut que Jack et toi jettent un coup d'œil à ça. Ok, donc on nous dit renseigner Jack des événements au bord de la forêt. Donc on va aller le voir. Notre ami Jack, il est là. Jack, oh, on t'a confié le sac à dos. Est-ce que le pigeon a vu quelque chose d'étrange sur les abords de la forêt? Eh bien, allons regarder ce qu'il a vu. Ok, on y va. On suit donc notre ami Jack. Vous voyez, hein, quand je cours, la stamina, elle se casse la figure un petit peu. Donc, il faudra manger régulièrement, que ce soit des aliments qu'on va trouver dans la maison, que ce soit des choses qu'on va trouver dans la nature, pour remonter notre barre de stamina. Sinon, ben, on ne pourra plus du tout courir si on ne mange pas. Et ça risque de poser un problème. Voilà. Donc là, on va avec Jack voir ce qui se passe. Et là, on a une cinématique. Regarde, il y a quelqu'un qui vient. Ils ont marqué qui va, mais c'est qui vient. Les vilains humains qui viennent pour déforester. Sûrement pour faire encore des immeubles ou des choses comme ça. Alors, les gens sont hostiles. Essayez de rester loin d'eux pour éviter les ennuis. Donc on repart. On doit retourner... Alors là, ça n'a pas été traduit, mais dépêche-toi, nous sommes en danger, il faut aller prévenir tout le monde. Alors, tout n'a pas encore été traduit, mais comme je vous le dis, c'est un jeu qui est en cours de développement. Vous avez quand même 1h30 à 2h de jeu, donc je ferai peut-être en plusieurs épisodes la présentation jusqu'où je peux vous la montrer. Parce que 2 heures d'un seul coup, ça risque de faire long. Donc, je vous ferai ça en plusieurs parties et j'attendrai vos retours, bien sûr. Donc là, on peut voir, donc c'est pas des policiers, ce sont plus les gens, je dirais, de la fourrière, puisqu'ils viennent pour couper la forêt afin d'y construire des nouvelles maisons, des nouveaux quartiers résidentiels. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe. Alors, on nous dit que l'indicateur jaune de détection, c'est l'indicateur au-dessus de la tête de l'ennemi, indique le niveau d'alarme. Blanc, on n'est pas détecté. Jaune, on est vu et entendu. Et si l'indicateur se remplit, ils vont nous poursuivre et en rouge, ben, on a été remarqué. Et il va falloir essayer de les éviter, mais 3/4 du temps, on se fait attraper.
Donc il faut que nous parlions à Jack. Et vous voyez, le temps que je vous parle, il attend, il est assis, il joue à son Rubik's Cube. Et ça, je trouve ça trop extra. Alors, il paraît que nous avons été privés de notre foyer. Je vais distraire les gens et toi, relâche nos ennemis. Et non pas des lâches, c'est relâche nos amis. Ok. Donc Jack va faire... va les attirer. Voilà. Attention à lui. Hop, nous on se dépêche. On va aller libérer notre pote ici. Il faut qu'on en libère 3. Allez les potes, barrez-vous vite. Cachez-vous. Ah, et là c'est l'oncle Joe. Merci de m'avoir sauvé. Sortons d'ici. On devait se cacher des humains. Ah, oncle Joe a pris une piqûre dans la fesse droite. Et moi, j'en ai pris une aussi. Et ne vous inquiétez pas, ça c'est normal, c'est le début du jeu. Et ça, vous ne pourrez pas y échapper. Donc, prendre le sac à dos, où suis-je? Alors, on a le sac à dos qui est ici. Alors, il rêve en fait. Hein. On prend notre sac à dos. On va ramasser de la pierre. On va prendre de la corde. Parce que oui, on va pouvoir assommer les humains. Mais on va pouvoir aussi les attacher. Vous allez voir pourquoi. Et sinon, on va se faire avoir. Alors, hop. Alors moi j'ai mis la touche C, mais vous voyez si je me mets comme ça, je suis en mode fufu. Là comme ça, alors je peux pas courir. Voilà, mais là j'essaye de me cacher. Et il y a pas mal de choses comme ça où on va devoir se faufiler je dirais. D'où le mode fufu, alors là j'ai que 2 pierres, prendre les pierres. Ah, hop. Et dans le mode fufu, l'avantage c'est qu'on voit en surbrillance les éléments qu'on peut prendre. Alors, on va prendre, hop, je pense que c'est des cordes qu'on a pris, là c'est vide. On fait gaffe parce que vous voyez, on a une flèche verte là-bas. Donc il y a quelque chose, hop, on va sortir du mode fufu, sinon on n'avance pas. Hop. On va prendre des pierres. 1, 2, 3, 4. On reste appuyé en fait sur la touche. Hein. Donc avec Tab, on peut ouvrir notre inventaire. Donc vous voyez, j'ai les ficelles, j'ai les cordes. Et je peux les mettre dans les raccourcis. Par exemple ici en 5, je peux mettre la corde. Je peux enlever par exemple une pierre, etc. Et ensuite ici, je m'équipe de ce que j'ai envie. Vous voyez, là c'est les pierres. Et s'il faut que j'utilise une corde, ben, je vais sélectionner avec la molette de la souris l'onglet que je veux utiliser. Donc jusque là c'est pas trop compliqué. Donc on doit étourdir un policier dans ce rêve. Donc vous voyez, il s'assoit et joue au Rubik's Cube, l'air de dire quand tu veux, moi je suis zen, j'attends la suite. Vous pouvez assommer l'ennemi par le lancer d'objets, lancer un objet dans sa tête comme on a fait avec les pommes. Il faut maintenir le bouton droit de la souris enfoncé et appuyer sur le bouton gauche de la souris pour lancer. Alors évidemment là j'ai pas pris de pierre. On va viser la tête du policier, ce qui est beaucoup moins embêtant que pour les pommes. Hop. Et là, on va pas traîner. On va vite varier, on va l'attacher. Hop. Na. Étourdir et attacher le policier. Alors, il y en a un autre là-bas. Alors, il faut que je mette une pierre, sinon ça va pas marcher. Ah, 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 tu me vois pas, tu me vois pas. Et là, je peux pas te toucher. On va attendre qu'il bouge. Non. Pareil, hein, si je suis trop près, je peux pas... je peux pas arriver à le choper. Hop. Et vite on se magne, on va l'attacher celui-là aussi. Hop.
Il va le détacher, il faut l'en empêcher. Alors vite, on va se prendre la pierre. Il est où? Il est où? Il est où? Vite, avant que l'autre le détache. Voilà. Bon, on s'est quand même fait attraper, c'est normal. Donc, regardez autour de vous. Alors, c'est un rêve, c'est pas un rêve, on sait pas trop. Ok. Donc là, on se retrouve où il y a des humains. Donc, on va se cacher, furtivité, hein, parce que les humains ne sont pas nos poteaux. Donc, contourner l'arrêt à travers les buissons. Alors, si les cônes de l'œil, comme ça nous a dit, l'œil est barré, vous êtes à l'abri, mais on n'est pas visible. Si l'icône n'est pas barrée, on peut être aperçu par les humains. Et les arcs à gauche et à droite de l'œil indiquent le niveau de bruit généré par le raton laveur. Donc, c'est pas la peine de le bourrer, de bourriner le jeu, de courir, parce que vous allez vous faire attraper et ça sert absolument à rien. Et vous allez claquer votre stamina pour rien. Alors, par moment, ça va être un petit peu de la patience. Comme vous avez pu le voir, par contre, j'ai plus mon sac à dos, puisque c'est un rêve. Donc, je n'ai plus du tout mon sac à dos. Et on me dit là de contourner l'arrêt de bus. Alors on a eu un humain là sur la gauche, un vilain. Donc on va y aller tranquillou en fufu. Doucement. On surveille l'œil. Pour l'instant ça va. On contourne, on ne s'est pas fait repérer. Parce que oui, on peut les attirer par les bruits de pas. On peut les attirer... Ils peuvent nous repérer très facilement, donc faut vraiment y aller mollo. Là, pour l'instant, on est bien. Hop. Objectif accompli, on a contourné l'arrêt de bus, mais c'est pas pour autant que c'est facile. Donc maintenant, on doit se cacher dans la boîte. Oui, parce qu'on a aussi des petites boîtes. Mais vous allez voir, c'est marrant, parce qu'en fait, il n'y a que la queue qui dépasse du carton. Et tout est normal. Hop, voilà, on est caché dans notre boîte. Et là, on va pouvoir avancer avec la boîte. On doit faire gaffe aux humains, bien sûr. On doit traverser la route dans la boîte. Alors là, c'est une petite cinématique. Donc, il s'est arrêté parce que, ben voilà. Sinon, l'humain nous aurait vu bouger. Là, une boîte en carton qui marche, c'est pas très normal. Bien qu'après, vous allez me dire, oui, mais là, t'avances bien. Alors, faut faire gaffe à elle, là, vous voyez, elle se met en rouge. Il faut vraiment bouger quand elle est là-bas et s'arrêter quand... Hop, va-t'en, vilaine. Elle doit tourner. Ah, hop. Et on ne peut pas sprinter, hein, bien sûr, quand on est dans la boîte en carton. On ne peut pas courir. C'est du fufu, hein. Objectif accompli. Donc nous on va avancer un petit peu plus. Il faut maintenant qu'on aille se cacher dans la poubelle sans se faire repérer. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'évidemment on a nos obstacles. Il y a des cailloux, il y a des choses comme ça pour nous pourrir la vie. Fais gaffe à elle là, pour l'instant elle est de dos. Hop, elle est plus de dos. Vous la voyez là derrière le feuillage là, voilà. Hop, on va aller dans la poubelle. Hop. Alors, il faut qu'on fouille la camionnette. Alors, vite, on va aller là-bas. On s'est encore fait dans notre rêve attrapé. Donc, on nous demande encore de regarder autour de nous. Alors, ça reste quand même la partie tuto un petit peu. Mais après, vous allez voir que c'est plus tuto. Ok, donc, je pense que c'est ce que vous attendiez un petit peu tous par rapport au thriller. En tout cas, moi, je me demandais quand c'est que j'allais l'avoir. Voilà enfin le fameux skate qui va nous permettre de nous déplacer beaucoup plus rapidement sans bouffer notre stamina. Par contre, il n'est pas du tout évident à conduire, je vous le dis. Donc, en premier, ramasser notre sac à dos, effectivement,
prendre le skate. Ok. Donc là, il n'y a rien. Non. Donc, maintenant, on peut utiliser le skateboard. Donc, on va, il faut qu'on aille jusqu'au point de contrôle qui est à 40 mètres pour sortir le skate. Pardon, le skate, c'est la touche X. Hop, on se met dessus. Et donc, on y va. Alors, après, on va avoir un super turbo. Alors, il faut faire gaffe, il y a des voitures. Ah, moi, ça m'éclate. Regardez ça, sans déconner, c'est super bien fait, quoi. On pourrait sauter les obstacles. Moi, je vais peut-être les éviter parce que je ne maîtrise pas encore super bien le skate. On va faire gaffe aux voitures. Hop, là, on nous dit quelque chose à 10 mètres. Hop. On prend l'instincteur. Alors, pour vous pouvez servir de l'instincteur comme accélérateur, vous pouvez déplacer votre skate, maintenir le shift. Alors, je ne sais pas, là, je fais gaffe, il y a un humain. Ah, ah, j'ai perdu mon skate et lui va me voir. Non. Alors, avec là, c'est encore plus compliqué, je vous le dis, à le manipuler. Enfin, pour moi, en tout cas. Je vais me taper la voiture. Ça va, je suis pas morte. Allez, retourne-toi le skate. Allez, on est reparti. Il est vraiment pas si simple que ça. Voilà. Oh merde! Non, 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 non! Vous voyez, je me suis fait choper par l'humain en fait. Donc, je sais pas où je vais réapparaître. Mais c'est bien que je me sois fait choper comme ça, vous le voyez. C'est pas si évident. Puis en plus, moi, je suis une pipe pour manipuler. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir y jouer à la manette. Hein. Alors, on respawn où? Ici. Est-ce qu'on a le skate? Oui. Par contre, je sais pas si on a notre turbo. Si. Hop. Bon, je vais peut-être pas l'utiliser. Quoique, on peut tester. Ah, franchement, moi, je m'éclate. Hein. Il est vraiment trop bien, le jeu. Hop. Par contre, au niveau des touches, c'est pas si évident que ça. Lui, il s'en fout, il est dans sa voiture. Donc là, avec le skate, on perd moins de stamina. Je fais gaffe dans les virages parce que moi je suis pas la douée là, donc j'ai pas envie qu'on me recapture. Donc on va aller là-bas sans utiliser le turbo. Objectif accompli, on doit aller à l'autre point de contrôle qui est à 21 mètres. Alors par contre on peut nager bien sûr, on peut faire énormément de choses. Objectif accompli. Franchement, vous trouvez pas sympa? Enfin, moi, je trouve sympa le skateboard et tout, là. Alors, là, c'était un petit peu le tutoriel pour le skateboard. Et là, maintenant, ça va commencer. On va devoir improviser de nous-mêmes. On connaît à peu près tout ce qu'on peut faire pour le moment dans le jeu. Se dissimuler, etc. Donc, là, on va se mettre en mode fufu. Il semble que tous les gens ne soient pas hostiles. Mais enfin, bon, ils le sont quand même tous un petit peu. Donc là, il va falloir gérer parce qu'il va falloir aller en face. Donc il y a pas mal d'humains qui traversent la route. Donc on va faire ça. On va attendre que lui passe. Et hop, on va se courir là. On va se planquer. On va traverser la route. Donc on va se mettre en fufu. Parce que là, les humains sont très très proches. Vous voyez là, on voit en surbrillance qu'on peut prendre plusieurs choses. Alors, prendre la clé anglaise. Alors attention là. Hop, lui là. Hop,
je récupère la clé anglaise. Et là, je dois aller à 2 mètres. Hop, on va ouvrir la bouche à incendie. Et là, vite, hop. Hop, qu'est-ce que c'est? Il est où? Il n'y a pas d'autre objet à prendre là, si. Il se casse la figure, vous avez vu? Là, regardez, si lui me voit, coucou. Hop, il s'est vautré avec le G. Donc notre but, c'est de rentrer là. Donc on y va. On va sauter un petit peu. Hop. On va refermer la porte, histoire de ne pas se faire choper. Et donc là, verser l'eau refroidisseur. Alors, on va y aller mollo parce qu'on a un humain à côté. Donc on peut prendre ici des cordes. Et donc, on va discrètement aller ouvrir l'eau. Sans que le monsieur nous voit. Voilà. On va bien mettre une grosse plaque d'eau par terre. Hein. On maintient le bouton E appuyé. Là, on va, hop, en mode fufu. On va essayer de monter, hop, là-dessus. J'ai raté la chaise. Et on va faire tomber la télé. Hop. Voilà. Il s'est vautré. Donc, ah, j'ai pas de corde. Mais si, pourtant, j'en avais. Tant pis, je fais tout comme ça vite. Hop. Il faut veiller à avoir des cordes dans son inventaire. Voilà, on l'a attaché. On va récupérer des cordes, hein, parce qu'on en a plus. Alors, on va aller voir dans cette porte. Hein. C'est fermé. Atteindre la fin du corridor. Désolé, monsieur. Ce qui ne nous empêche pas de fouiller. Hein. Alors, se servir du flair pour évaluer la situation, c'est-à-dire se mettre en mode fufu. Voilà, en mode fufu, vous voyez, on peut voir qu'il y a un flic derrière. Enfin, un flic, non, c'est pas un flic. Il y a un mec derrière, là. On va prendre un fil piège. Ok. Il va falloir qu'on positionne le fil piège. Alors là, je ne vous cache pas que j'ai eu quelques misères pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc là, on va se sortir du mode fufu. On nous dit de laisser tomber le vase pour faire sortir l'homme. Ok. Donc on va foutre le bazar. Voilà. Et hop, vite, vite, vite. J'ai une corde, j'espère. Oui. On le... Alors oui, les animations des humains sont pas encore super top. Mais bon, hein. D'accord. Donc, on nous dit maintenant qu'on peut rentrer ici. Objectif accompli. Réveillez-vous. Alors, hop. Et là, parler au raton laveur dans la cage. Ok. Ah, c'est le vieux tonton qui s'était fait attraper. Donc là, vous voyez, c'est pas traduit. Très bien, tu as réussi à t'échapper de cette cage. Il faut faire très, très doucement. Essaye de sortir de là, en fait. Prends le sac à dos et va-t'en. On peut même pas ouvrir la cage de... Non, on peut pas. Je l'aurais bien libéré, ça m'embête de laisser le vieux tonton ici. On prend le sac. Alors ici, il va falloir crocheter les serrures. Alors, hop. Ah d'accord, donc c'est avec... alors j'étais en train de tester... alors en fait, quand vous êtes à la serrure, vous maintenez votre clic droit appuyé. Et c'est avec vos flèches... enfin, moi j'ai mis les flèches directionnelles, mais c'est avec les... les déplacements que vous tournez en fait là, cachez-vous dans la poubelle, qu'il faut en fait tourner la serrure avec les... Ça c'est un petit peu mal expliqué. Donc fallait maintenir avec le clic droit et ensuite avec les touches que vous avez pour vous déplacer de gauche à droite, tout simplement, vous allez pouvoir ouvrir la serrure. Alors appuyez sur E pour sortir. Donc lui on va rien faire, on va passer la porte.
Bon, là, c'est un petit peu énorme parce que monsieur est juste à côté de nous. Alors, si la caméra me voit, l'alarme se déclenchera et je serai détectée. Il devrait y avoir un interrupteur derrière cette porte pour atteindre la caméra. On entend du bruit. Il semble que quelqu'un approche. Il faut vite se cacher dans le buisson. Allez, magne-toi. Hop. J'attends qu'il passe, puis j'éteindrai les caméras. Alors, il y a plein d'endroits où on peut se cacher. Hein. Les plantes, etc. La porte est ouverte. Allez, go. Il n'est plus là. Je suis pas sortie. Hop. Pas faire trop de bruit. On va aller éteindre nos caméras. On va refermer la porte derrière nous. Pour être plus tranquille. Donc là, on fait bien gaffe. On regarde parce que, voilà. Vous voyez, derrière. Sinon, vous n'allez pas voir les objets. Et quand vous allez vouloir, par exemple, attacher un humain, ben, vous n'aurez pas de corde. Et vous direz, mais j'en ai pas vu. Non, parce qu'on les voit qu'en mode fufu. Donc, on va monter là. Alors, prenez votre temps. Visitez. C'est pas la peine de sprinter. Parce que vous allez passer à côté de choses importantes. Donc, en bas, on a pris pourtant toutes les cordes, il me semble. Voyons voir. Non, j'en ai encore. Et donc, quand j'ouvre tab, j'ai bien mon inventaire. Donc, je vais mettre en 1. Voilà. Je vais le basculer là. On ne sait jamais si un humain arrive. Hop. On peut aussi interagir. Vous voyez ici. Alors, il n'y a rien dedans, mais ça, on peut se cacher dedans. Voilà. Hop. Objectif accompli. Donc, il faut sauter, appuyer sur la touche E en même temps. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il n'y a rien d'autre à choper ici. S'il y a le piège sur la table là-bas. Mais j'ai voulu essayer de l'attraper tout à l'heure. Je devrais prendre cette corde. Elle sera très utile. Mais je l'ai déjà pris, Pépère. Trouvez du fil. En utilisant votre pied à votre flair. Donc ici. Hop, on va le ramasser, le piège. Hop. Et là, j'ai encore de la corde. Alors, on va devoir passer devant les caméras éteintes. Hein. Donc, hop. On va mollo. On ne sait pas qui c'est qu'il y a de l'autre côté. D'autant plus que j'ai oublié de fermer la porte. Hein. Donc, le pépère, s'il est encore là. Bah, il est encore là. On va... Hein, voilà. Tu m'as pas vu. On va fermer la porte. Pour être sûr. Ni vu ni connu. Oui, pas très logique. Je serais d'accord avec vous. Hop, on va se planquer ici. Un gardien. Vite. On ne bouge pas. Alors, passer devant les caméras éteintes. Tout est normal. Le mec est à son poste. Alors, il y a plein de trucs derrière lui. Attention, voilà. Je ne bouge plus. J'ai ma queue qui dépasse du carton. On voit qu'il y a plusieurs pièces. On voit les objets verts. Comme je suis en mode fufu. Passer devant les caméras éteintes. Hop, on avance. Là, il y a des choses dans cette pièce aussi derrière. Fouiller la salle du personnel. Alors, on va se mettre ici. Au cas où, hein. C'est sans jamais. Voilà. Alors. Alors là, on va pouvoir trouver pas mal de nourriture. Il y a plein de choses là. J'ai besoin de nourriture, ouais, parce qu'on n'a plus beaucoup de stamina. Alors, on va monter. Là, pareil, hein, on peut ouvrir les portes pour se cacher, etc. On a des bagels là-bas. Puis pour nous aider à monter aussi. Allez, monte. Ah, je ne vais pas me bloquer. Hein. Je ne veux pas me bloquer.
je ne veux pas me bloquer. Voilà, je vais prendre des bagels si je retombe pas. Non, c'est bon. Alors là, j'ai ouvert carrément le micro-ondes. Hop, les bagels, ça va me redonner de la stamina. Alors, je suis fou là. Comment manger? On maintient le clic gauche pour manger. Voilà. Continuez à examiner le corridor. Par contre, je vais peut-être lâcher des bagels. Je vais vous dire pourquoi. Hop, là, on a un bagels. On va lâcher un bagels. Parce que j'ai rien, en fait, pour les taper. Donc, je vais peut-être piquer une tasse. Les tasses à café vont me permettre de leur taper, de leur envoyer sur la tête, en fait. Un peu comme les pierres, mais là, on n'en a pas. Non, je vais pas mettre bugué là. Bon, c'est pas des bugs super bloquants, mais faut qu'on ressorte. Mais soyez indulgents, c'est un jeu en développement, je vous rappelle, mais qui est déjà, je trouve, très prometteur. Donc, continuez à examiner le corridor. Donc, nous, on va rester dans notre petit carton. Je trouve que c'est le mieux. Alors, essayez d'entrer dans la chambre du chef. Alors, évidemment, c'est pas indiqué où on doit aller. Hop. On va regarder ici. Je pense pas que ce soit la chambre du chef. Ici, c'est plus... Ah, le Big Boss, c'est là. Ah. Trouver la clé de la chambre du chef. Alors... On va essayer toutes les portes. Ça, c'est pour quitter le refuge. Ici. Porte est fermée. Est-ce que là, j'ai des trucs... Ouais, mais je suis quasiment full dans l'inventaire. Donc... on est dans la chambre du chef, là. Vous voyez, quand je suis trop près des... des pièces, je suis un petit peu bloquée. C'est un petit peu embêtant cette affaire. Mais on va devoir pouvoir s'en sortir, je pense. Hop, voilà. Et si j'appuie pas sur la bonne touche non plus, ça va pas le faire, vous me direz. Hein. Oh merde, j'avais pas dû quitter la vie. Hop. Excusez-moi, le merde m'est sorti tout seul. Hein. Faut prendre la tasse. Hop. Prends-toi ça dans la tête. Vite une corde. Hop. Alors évidemment, on va fermer la porte pour qu'éviter qu'un de ses copains voit que ben on a tout simplement chopé le... À prendre la clé. Hop. Ici, niveau endurance, ça va. Alors, tu fais moi le malin. Hein. Alors ici, on pourrait se cacher aussi. Il y a des donuts, il y a des machins. Hop. Maintenant on peut revenir au truc du boss là-bas. On va fermer la porte derrière nous. On n'est pas à l'abri que le boss y revienne. Alors, trouver des informations sur les animaux. Hop, ici. De toute façon, on a quand même... Casser la chaise du chef. Allez, ça y est, on va commencer à détruire les affaires. Hop. Hop. Et trouver la sortie du refuge. Il y a du bruit dans le corridor. Le chef qui revient. On lui a cassé sa chaise, donc ça devrait le faire. Flamme, il s'est cassé là. On ne rigole pas avec les ratons laveurs. Allez, nous, on se casse. On va pas l'attacher, ça sert à rien. Donc, on va trouver la sortie ici. Ah, on a un employé là.
étourdir l'administrateur et fouiller son bureau. Alors, est-ce qu'on peut se foutre un fufu parce que pas qu'elle nous voit. Alors, à moins que j'arrive à. Non, fufu, je ne peux pas. Faut que je mette la tasse ici. Je suis trop loin. Cet angle, je peux pas. C'est quand même me rapprocher près là, me faire choper. Ah, aussi, elle est debout la meuf, quoi. Je peux pas t'asseoir. Hein. Suis vraiment trop. Parce que si je passe par là. Faire ça au cas où, hein. Ça, si elle vient, est-ce qu'elle sera la barre roulette? Est-ce qu'on peut passer par là? La porte est bloquée. Faut vraiment trouver l'angle, comme pour les pommes tout à l'heure, hein. C'est ce qui est un petit peu ennuyeux. Par moment, parce que là, si je lance, vous voyez, ça fait rien du tout. On va prendre, hop, une tasse ici. Alors normalement, elle est assise à son bureau. Oh, j'ai pas fermé la porte, on va fermer. Hop. Ah, mais ça y est, elle est assise. Hop. Et là, vous voyez, c'est nous, un avis de recherche. On est super recherché par tout le monde. Alors, on va lui en coller une dans la tête, on va y arriver ce coup-ci. Voilà, on se dépêche, on met la corde. Hop, j'ai presque plus de corde. Hein. Hop. Voilà, maintenant qu'elle est attachée, on peut fouiller son bureau. Alors, ici, il y a des baskets. Elle doit venir bosser, elle aussi, en. En mode document. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Je suis pas vue, non. Je devrais le suivre en fait. Voilà ce qui est marqué en bas, en gros. Donc on a trouvé ce qu'on voulait. Hop. On va le suivre. Ça va, on risque rien. J'ai réussi à sortir, il dit. Et eux, pour rentrer dans la camionnette. Je dois sauter dans la voiture rapidement pour savoir où va le chef du refuge. Et là, on se fait promener, en fait, et on va aller jusqu'à la maison du chef, où il y a plein de choses qui nous attendent. C'est certain, il va y avoir les enfants, il va y avoir la maison, on va devoir vandaliser la maison, tout ça sans se faire attraper. Et sachant aussi que tous les humains ne sont pas nos ennemis. Bien au contraire, il y en a qui sont sympas. Mais bon, les trois quarts ne sont pas vraiment amicales. Donc, on va aller jusqu'à la maison du chef du chenil. Ah, voyez, si je voulais, même, je pourrais balancer là, voyez, sur les passants, là, des cailloux ou autres. Leur pourrir leur voiture de bobo là. Là on arrive chez le chef. Et si vous regardez la maison, il s'embête vraiment pas. Waouh, quelle grande maison! Il faut infiltrer dans la maison. Je peux y trouver plus d'informations, les informations dont j'ai besoin. Donc on voit le chef qui rentre. Hop, donc nous on se barre. Alors, il va falloir qu'on essaye d'infiltrer la maison. Ah, vous voyez là-bas, bon là c'est mal traduit, mais c'est pas encore tout à fait complètement traduit. Là, il y a les enfants qui jouent.
Donc nous, on nous demande d'infiltrer la maison. Fermé, il faut trouver un autre moyen. Il y a des enfants qui jouent là-bas. Peut-être qu'ils peuvent m'emmener à l'intérieur. On va aller voir les gosses. Parler aux enfants. On va ramasser des pierres hein, si je suis pas... Ok. Alors, où j'ai la pierre dans mon inventaire, hein, tab. On va la mettre en 5. Là, j'en ai qu'une. Hein. Voilà. On va parler à l'enfant. Oh, regarde, un raton laveur. Salut, pouvez-vous nous aider? L'enfant me dit, aide-moi à enlever la balle de l'arbre. Ok. Donc, on va devoir faire un petit peu comme les pommes. Voilà. On va récupérer notre pierre, ça peut servir. Et là, le ballon s'est barré dans la piscine. Et j'ai l'inventaire qui est plein. Je peux peut-être manger Là, on nous voit avec nos petites pattes tenir notre bagels. Voilà, comme ça on s'est remis la stamina à fond. Est-ce que j'ai de la place dans l'inventaire? Parce que le ballon, il va falloir que je prenne. Oui, j'ai une place ici. Donc, hop, on y va tranquille. On doit aller ramasser le ballon. Voilà, hop. Et on va aller lui rendre. Hop. Bien fait. Merci beaucoup. Nous t'amenons dans la maison. Mais avant, peux-tu nous rendre encore un service? Le jardinier pique toujours nos skates. Peux-tu nous aider à les retrouver? À les retourner, mais c'est à les retrouver en fait. Ben, on n'a pas le choix, on ne peut pas dire non. Alors, est-ce que je peux récupérer des pierres? Donc, on va aller... On va se mettre la pierre dans la main. Alors bien sûr, il faut qu'on passe en mode tufu, hein, parce que le jardinier, sinon, il est autant dangereux que les autres. Hein, Hop. Ne pas oublier de mettre la corde hein, toujours en bas à droite, sinon il va pas... Alors, la cabane des jardiniers est là. Fermé. L'un des jardiniers doit avoir la clé. Alors, il y a un autre jardinier là-bas. On remet la pierre dans notre main. Il est où? Là. On va l'attacher. Et là, on a la clé juste à côté, mais on est un petit peu bloqué dessus. Hop, voilà, on récupère la clé. Donc, les deux sont attachés, parce que sinon, l'autre va aller libérer l'autre jardinier. Alors, faut pas non plus traîner, hein, parce qu'ils restent pas attachés, les gars, pendant 30 ans. Alors, je vois qu'il y a de la corde. Est-ce que je pourrais en prendre? Voilà, vous voyez, faut vraiment faire le tour, parce qu'il y a des objets qui sont cachés. Hop. Et la corde, c'est vraiment... la corde, la pierre, c'est les objets les plus demandés, hein, puisqu'il faut qu'on arrive à les taper avec, les assommer, les attacher. Et bien plus encore après. Verser l'eau du refroidisseur, vite. Hop. Et une bonne dose. Voilà. Donc ici, j'ai plus de pierre. Ah mince. Que j'ai pas des tasses là qui traîneraient, non, je sais pas comment j'ai fait. Si là j'ai une tasse, j'ai piqué la tasse parce que sinon je vais pas pouvoir l'assommer.
avoir toujours un objet sur soi pour assommer le futur adversaire qui pourrait venir. Donc on vient chercher le skate. Alors là, c'est vous qui choisissez le skate, c'est ça qui est cool. Donc vous pouvez prendre celui-ci. Vous pouvez prendre Marvel. Moi, je vais prendre le Rancoon, parce que par rapport au jeu, mais la couleur rose, vous savez que moi et Barbie, on n'est pas copains. Il y a Marvel, en fait, ils ont customisé quand même les skates. Moi, je vais prendre, si j'y arrive, hein, le... Voilà. Oh, chut, quelqu'un qui vient. Et boum, tu t'es vautré. Bien fait. Ok, on n'a pas pris le skate, donc on ramasse le skate. Hop, on va l'attacher, lui. Hop. Ah, non. Non, non, non. On va essayer d'esquiver. Je suis mal barré pour. J'ai plus rien pour le frapper. C'est bon. C'est... Ouf. C'est bon. Eh ben, on a eu chaud. On a un peu plus, on se faisait capturer. Donc, on va lui ramener le skateboard. Waouh! T'as réussi à obtenir la clé de la maison des jardiniers. Maintenant, nous pouvons retrouver nos skateboards. Merci. Garde ce skateboard. Je vois que tu l'as vraiment aimé. Oui. Ok. Donc, vas-y, je t'ouvre la porte de la maison. Donc en fait, les humains sont nos ennemis, mais apparemment les enfants ont l'air d'être nos potes. Ou alors lui, il en veut énormément à ses parents et il nous encourage à faire des bêtises. Alors, trouvez les documents avec les informations sur la famille. Comme promis, la porte est ouverte, enfin. Ok. Alors, on peut interagir, vous voyez, avec tout, hein, et se cacher dedans, voilà. Donc, il faut qu'on trouve des documents. Faut faire gaffe quand même, hein, parce que bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des humains dedans. On doit trouver trois documents sur la famille. Donc le premier va être situé ici. Ok. Est-ce qu'en mode Fufu, il y aurait des objets ici Ah, je peux balancer les tasses, enfin les assiettes sur la tronche. Sérieux? J'ai raté mon coup. Je peux sérieux balancer les assiettes? C'est quoi? Oui, c'est des assiettes. Assiettes, ouais. Je peux carrément lui balancer des assiettes dans la tronche. On est au niveau stamina, on va manger un bagel, ça. Crunch, crunch, crunch. Est-il pas mignon? Mais faut pas se fier aux apparences. Alors là, on en a trouvé un, il nous reste deux trucs de la famille à trouver. Il n'y a rien ici, non? J'ai une assiette à lui balancer là, non? Oh, vite, on prend la corde. Hop, on va l'accrocher, qui nous embête plus, lui. Hop. Alors, faut pas non plus traîner, hein, parce qu'il reste pas attaché longtemps. Enfin, ni au sol, hein. Pour les attacher, il va falloir se speeder un peu. Alors, ici, on a des bretzels, une tasse à café. Non. Pardon, excusez-moi. On va monter à l'étage.
Alors ici c'est quoi? C'est la chambre des enfants. Bon, ils nous ont aidés, on va pas quand même leur casser leur truc. Mon chat qui parle, elle doit entendre le bruit comme d'habitude du jeu ou des ratons laveurs, on sait rien, mais en tout cas ça a l'air de bien lui plaire. Ici j'aurai le document, donc on a bien le deuxième, il nous manque un. Est-ce qu'on peut interagir avec le billard? Ah mais je peux même lui envoyer des boules de billard à la poire, ah, c'est trop bien. Est-ce que j'ai la place? Ouais. On va en prendre plusieurs, ça fait plus mal. Hein. Au moins il restera assommé longtemps. Alors, j'ai pu en prendre que deux. Où c'est que serait le troisième document? Apparemment pas ici. L'autre pièce à côté. Attends, on y est allé. Ah non, je l'ai pas vue. Elle est bien là. Hop. Troisième. Cambrioler la maison. Vous pouvez cambrioler les maisons des humains. La plupart des objets autour de vous peuvent être cassés, abandonnés ou déchirés. Vous pouvez abattre certains objets pour y jeter les autres. D'autres sont activés par la touche action. Ok, on doit tout péter en fait. Ben ça. On va tout péter. Qu'on pète 60 trucs dans la baraque. Tiens l'ordi. Téléphone. La lampe. On va péter le fauteuil. Voilà. Ici, non. On va te niquer les fauteuils, on peut ici? Non. Je sais qu'on peut niquer les fauteuils, mais c'est... ceux qui ont des coussins, voyez, comme ça, là. Hop. À lui niquer tout. Allez, on vagabonde. Ça y est, on est parti. On est vraiment le méchant. On n'est pas méchant, en fait. On se venge. C'est pas... Il n'y a rien de méchant, en fait. Hop, on pète ça. Ici. Qu'est-ce qu'on peut... On peut niquer ça, ouais. Hop. On casse les livres. Allez, tout. Le bazar qu'on met, quoi. On en est qu'à 380. 400 sur 1000. Lui niquer le canapé en face. On va niquer ce canapé. Hop. Vengeance! Vous nous avez piqué notre forêt, vous avez... capturer mes amis. Donc, je casse tout chez vous. Bon, la chambre des enfants, non. On va pas la faire. Hein. Ils nous ont aidés. Ils ont été cool. On va pas la faire. On va peut-être péter là la lampe. Hop, les cadres. L'autre, il va être désespéré. Je lui nique toute sa baraque. Hop. Hop, 700, est-ce qu'ici, en sautant, ouais. Hop, la lampe, allez, hop. Le tableau. On est vraiment hein, le raton laveur, super rancunier.
840 sur 1000. Ils vont être contents quand ils vont retrouver leur baraque. 920, on va niquer l'autre canapé. ...980 sur 1000. Inonder la maison. Ah, je ne sais plus où est la cuisine. Hop. Ici, il me semble, ouais. Allez, on va inonder la baraque. C'est pour ma maison, c'est ma vengeance. Pirate raton laveur, mais qu'est-ce que tu fais? On va se faire attraper. En deux pirates, le raton laveur. Partons plus vite. Hop. Oui, mais raton laveur, attends-moi, il est où? Ah, j'ai un inventaire full. Je vais manger un nuggets. Ah, il y a la police et tout. Oh, la vache. Partir vers l'extérieur. Il m'a fermé la porte à la tête. Oh, raton laveur pirate. Ah, faut que je prenne mon skate. Let's go. Saute sur ton skate. Hop. Je saute sur mon skate. Voilà. Voilà. Il faut que j'évite la police. Pas très doué, hein. Moi, c'est un jeu que je pratiquerai bien à la manette. Oups, oups, il me tire dessus. Non, 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 non. Allez, 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 allez. X. Mon skate. Ah, j'ai réussi. Non, j'ai laissé mon skate. Oh merde. Attendre l'arrivée à la destination. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux balancer en fait à... Cette voiture nous amènera dans un endroit sûr. Ok. Nous sommes pourchassés. Voilà les flics. Alors là, ce que c'est la police. Hein. Et bien sûr, on a vandalisé une maison. Il faut nous en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Bah oui, mais... Vise le pare-brise. D'accord. Waouh. Ah, il a dit waouh aussi, c'était pas fait exprès. C'est bien fait pour toi. Ouais, vous aviez qu'à pas venir. Ben, notre pote raton laveur pirate, là, il a une super dégaine en tout cas. Alors, on arrive dans une espèce de décharge. Jack, un voyage inoubliable, tu m'étonnes. Ok. Donc, quitter le camion. Suis-moi, je vais te présenter quelqu'un. Ok. T'es au courant que j'ai laissé mon skate? À moins que je l'ai... ça se mette automatiquement, on regardera après. Bonjour Jack, je vois que tu n'es pas tout seul. Nous venons de la même forêt. Il a également perdu sa maison. Jack, tu m'as apporté des pièces? Bien sûr, les voilà. Ok, laisse-moi voir pour fixer tout ça au niveau de la grue. Donc, suivre Bob et Jack. Donc, lui, apparemment, il est bien pote avec notre pote raton laveur pirate. Répare une espèce de truc. Objectif accompli, suivre Bob et Jack. Alors, voyons ce que nous avons ici. Décharge, suivre Jack. Il me manque quelques détails. Jack, tu sais où les trouver, apporte-les-moi. Ok. Alors, je vais regarder si on peut, on a notre skate. Ouais, donc c'est bon, ça le met automatiquement dans notre sac à dos. Je vais sauvegarder ici, mais ce n'est que le début du jeu.
Donc vous voyez, on va commencer à... On est dans une décharge. Je ne vous cache pas ce qui va se passer. Oui, tu peux t'asseoir et jouer au Rubik's Cube. Il n'y a aucun problème. Ce que je vous propose, c'est j'attends vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le trouvez sympa? Ne soyez pas trop exigeant. Il est en cours de développement. Tout ça, vous pouvez le faire aussi. Je vous montrerai dans un deuxième épisode, pour pas que la vidéo soit trop longue, la suite du jeu jusqu'au moment où je serai obligé d'arrêter parce que je ne pourrai pas vous en montrer plus. Mais en tout cas, moi, j'adore, je m'éclate, il me fait rire. J'aurais pu prendre le temps d'explorer un peu plus, etc. De prendre un peu plus mon temps pour aller chercher des trucs, fouiller un petit peu plus, vous voyez, dans les jardins de la maison ou dans la maison. J'aurais pu prendre plus de choses, mais je voulais montrer assez rapidement. Donc, j'attends vos retours en commentaire. Est-ce que le jeu vous plaît? Est-ce que vous le trouvez mignon? Est-ce que vous le trouvez marrant? Est-ce qu'il vous tente? Sachant que la coop arrivera, imaginez-vous faire des gangs à plusieurs comme ça et faire la misère aux humains. En tout cas, moi, je trouve que c'est une idée super sympa. Merci encore aux développeurs. J'attends vos retours en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à Twitch, bien sûr. Aussi, ben, un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas si ça vous a pas plu, mais un petit pouce en l'air. Je vous mettrai, vous mettez un petit commentaire, je vous réponds. Partagez au maximum. En attendant, je vous fais plein bibi, plein zouzou. Et on se retrouve très vite pour la partie 2 de ce que je peux vous montrer sur ce superbe jeu Wanted Raccoon. Allez, plein de bisous, bye bye.